Salut, moi c'est Mélie Mérina Grâce de Mélie. J'ai 15 ans et je suis en classe de seconde C1 au lycée d'Ongu Songoulmokong. Si je fais cette petite vidéo, c'est pour vous parler de mon roman préféré que voici. Il s'agit de Tribu de Capitoline, écrit par PC Ombetebela. Dans le roman, le surréaliste de Mathieu, le personnage principal, nous plonge dans un univers où règne le tribalisme. Son roman traitant des mots qui minent la société camerounaise attire l'attention des jeunes sur les dangers du tribalisme. Pour pouvoir faire le résumé de cette œuvre, j'ai dû soulever 4 thèmes qui sont le tribalisme, le vivre ensemble, le travail et l'amour. Commençons par parler du tribalisme. À travers Tribu de Capitoline, l'auteur nous montre comment Sophie Mbezele, la mère de Mathieu, refuse systématiquement d'une femme qui ne soit pas Ewondo comme belle-fille. Elle désapprouve donc le choix de son fils porté sur une Bamileke en ces termes. Une Bamileke dans ma maison, c'est impossible. Cette réplique peut être donc vue comme un signe de tribalisme. La haine que cette dernière éprouve donc à l'égard de Capitoline, le choix de Mathieu, va l'amener à commettre un acte ignoble. Mais quel est cet acte ignoble? Je ne vous dévoilerai pas le suspense. Nous allons maintenant passer au vivre ensemble. Le vivre ensemble est un thème très important dans l'œuvre, car il est l'antonyme du tribalisme et il est l'idéal social que prône l'auteur. On montre ici la ville de Douala comme le creuset de l'expérimentation de l'unité nationale. Dans cette ville, on retrouve de toutes les tribus. On voit les Bamileke, les Bassa, les Ewondo et plein d'autres tribus. On présente donc le couple de maman Sonlina, la tante de Mathieu, et son partenaire Ignace Ngang, comme le symbole de la fusion entre les Ewondo et les Bassa. Ce couple va donc aider Capitoline et Mathieu à former à leur tour le symbole de la fusion entre les Bamileke et les Ewondo. Mais cela va-t-il aboutir? Vous le découvrirez dans Tribu de Capitoline. Maintenant, nous allons passer au troisième thème. Il s'agit du thème du travail. C'est un thème circulaire dans l'œuvre, car c'est lui qui ouvre l'œuvre. Mathieu va quitter son petit village de Ligbedibi pour se retrouver dans la ville de Douala à la recherche du travail. Dans le livre, on met en évidence la misère de la fonction publique et les opportunités intéressantes qu'offre le secteur privé. On fait donc un procès à la fonction publique en ces termes. Mathieu n'avait pas voulu se lancer sur la voie des concours menant à la fonction publique. Il ne se voyait pas instituteur, ni adjoint d'administration, ni rien de ce milieu. Nous disons que ce thème est circulaire dans l'œuvre parce que c'est lui qui ouvre l'œuvre et c'est lui qui ferme l'œuvre. Car l'œuvre se termine au travail. Qu'est-ce qui s'est passé au travail? Je ne vous dirai pas. Nous allons passer maintenant au thème de l'amour. C'est le thème que je préfère par-dessus tout. Dans l'œuvre, on montre à quel point l'amour peut nous amener à dépasser le tribalisme. On montre à quel point Capitoline aime Mathieu par ses tremblements, son approche. Et comment Mathieu n'a pas abandonné malgré le fait que Capitoline soit réticente au début. Et ils ont pu être ensemble, mais on ne sait pas si cela va pouvoir aboutir au mariage. Maintenant, pour conclure, je vous ai dit que Tribu de Capitoline est une très belle œuvre à travers laquelle l'auteur lance un appel et à travers lequel l'auteur lance un appel à transcender les clivages ethniques et à vivre dans un Cameroun où règne le vivre ensemble et le multiculturalisme. C'était Mélie Mérina et je vous invite à voter pour moi. Merci.